Et dans un état moderne, c'est tout pareil. L'essentiel, c'est le Führer ou Duce. Mais ils ont besoin, eux aussi, de gens dont ils soient les Führers. Ils sont grands, mais s'il n'y a personne pour répondre de leur grandeur, rien ne va plus. Les deux noms que vous venez de mentionner me ramènent à cette pierre et à ces cigares. Je m'appelle Ziffel, physicien. Appelez-moi Calais, ça suffira. Ah ben, moi, non, c'est pas vrai. Depuis quelque temps, surtout dans les nouveaux régimes, on témoigne à l'homme beaucoup plus de sollicitude. Ah, hé, l'État s'occupe de vous. Oh, c'est plus du tout comme avant. Les grands hommes qui ont surgi en plusieurs points de l'Europe s'intéressent énormément aux individus. Ils n'en ont jamais assez. C'est qu'il leur en faut beaucoup. Au début, on se cassait la tête à deviner pourquoi le Führer ramenait tant de monde des territoires limitrophes vers l'intérieur de l'Allemagne. Et puis la guerre a enfin permis d'y voir clair. Comme il engage pas mal, il lui en faut des quantités. Mais quant aux passeports, si on les a inventés, c'est avant tout une question d'ordre! Parce qu'à notre époque, l'ordre est quelque chose d'absolument nécessaire. Mais supposons que vous et moi, nous nous baladions, sans un papier attestant qui nous sommes. Le jour où on voudrait nous déporter, impossible de nous trouver, ce serait l'anarchie. De tous les hommes que j'ai connus dans ma vie, celui qui avait le plus la passion de l'ordre, oui, était un certain Schiffinger, un SS au camp d'Achaux. On racontait qu'il permettait pas à sa petite amie de jouer des fesses un autre jour que le samedi, ni un autre moment que le soir, fut par inadvertance. Au café où elle servait, il lui était interdit de poser la bouteille de limonade avec le cul mouillé sur la table. Quand il nous tapait dessus avec son air de bœuf, il opérait si consciencieusement que les marques dessinaient sur notre dos une grille d'une géométrie parfaite, pas un millimètre d'écart. Et le sens de l'ordre, il l'avait si bien dans la peau qu'il aurait renoncé à nous battre plutôt que de ne pas le faire dans les rêves. Alors ça, c'est un point très important. Parce que nulle part ailleurs on est aussi à cheval sur l'ordre qu'en prison. Ou à l'armée, bah, tout le monde le sait, depuis le près du rêve. Au début de la guerre des 70, un général a annoncé à Napoléon III que l'armée française était fin prête jusqu'au dernier bouton de guêtre. Ah, ben ça, si ça avait été vrai, ça aurait été une promesse extraordinaire. Ben, le dernier bouton de guêtre, ben, c'est ça qui compte. Ah, il faut qu'il n'en manque pas un, mais c'est avec le dernier qu'on gagne la guerre. L'ordre. Voilà le secret de la victoire. Les derniers, voilà un de leurs mots favoris. Ah oui, oui. Au camp, le SS de garde disait toujours qu'il fallait piocher avec la dernière énergie. Moi, je me suis souvent demandé pourquoi pas avec la première. Non, fallait que ce soit la dernière, sinon ça n'avait plus de charme pour lui. Et la guerre aussi, ils veulent la gagner avec la dernière énergie. Ils ont un cœur. Ils n'en démordent pas. Oui, parce qu'ils veulent que ce soit sérieux. Oui, si ce n'est pas sérieux... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui. Je ne sais pas qui a dit un jour que la mer n'était rien d'autre que de la matière qui n'est pas assez. Ah ouais, c'est moi. Non, c'est pas toi. Dans un pot de fleurs, on ne saurait dire à proprement parler que c'est de la merde. Bon, moi, au fond, je suis pour l'ordre. Mais une fois... J'ai eu un film de Charlie Chaplin, ah, où celui-ci emballait ses vêtements, son linge, dans une valise. Après avoir tout fourré dedans, il a rabattu le couvercle, seulement des tas de choses dépassaient. Ça faisait des ordres. Bah, il a pris une paire de ciseaux, oui, il a purement et simplement coupé les manches, les jambes de pantalon, bref, tout ce qui dépassait. Cette façon de faire m'a plongé dans l'étonnement. Moi ?
J'avais un garçon de laboratoire, il s'appelait Monsieur Serin, qui tenait tout parfaitement en ordre, à y passer son temps à ranger. Et il s'en donnait du mal. Si vous aviez quelque matériel en place pour une expérience et qu'on vous appelle au téléphone, le temps que vous reveniez, il avait tout rangé. Et chaque matin, toutes les tables étaient nickel. Ce qui veut dire que vos notes étaient parties à la poubelle, sans rémission. Mais il se donnait tellement de mal qu'on ne pouvait rien lui dire. Alors bien entendu, on trouvait à redire, mais là, on ne faisait que se mettre dans son tort. Et la fois d'après, quand quelque chose avait disparu, non mais là je veux dire, avait été rangé, là, il vous fixait de ses prunelles transparentes, sans la moindre lueur d'intelligence. Ah, et vous vous faisiez pitié. Eh bien moi, je n'aurais jamais imaginé que M. Serin puisse avoir une vie privée. Et pourtant, si, il en avait eu. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, on a découvert que pendant tout ce temps-là, M. Serin avait été un militant national-socialiste. Un des premiers. Et le jour où Hitler fut nommé chancelier, M. Serin, en accrochant son manteau à la patère, a dit « Maintenant, monsieur, on va mettre un peu d'ordre en Allemagne. » On pourrait résumer la chose ainsi. Là où rien n'est à sa place, c'est le désordre. Là où à la place voulue, il n'y a rien, c'est l'ordre. Mais de nos jours, il y a de l'ordre la plupart du temps là où il n'y a rien. Oui. Mais ça, c'est un phénomène de carence. Très soif ou pas,
je te regarderai comme on regarde un frère, un peu comme le Christ à son dernier repas. Comme lui, je dirai de vérité première, il faut savoir s'aimer malgré la gueule qu'on a, et ne jamais juger le bon ni la canaille. Si tu me payes un verre, je ne t'en voudrais pas de n'être rien du tout, je ne suis rien. Chaque fois que je peux caser mes 90 kilos. Quoi? Non. C'est pas une bagatelle de nos jours que de transbaiter une telle masse de viande et d'os. Et naturellement, la responsabilité est plus grande. Parce que 90 kilos qui se gâtent, c'est tout de même plus grave que... Mais ça doit aussi vous rendre la vie plus facile. Ah, un certain embonpoint fait bonne impression. C'est un signe de prospérité qui impressionne favorablement. Je ne mange pas plus que vous. Oh, soyez pas si susceptible. J'ai rien contre que vous mangiez votre content. Ah. Chez les gens bien, c'est peut-être un déshonneur de ne pas manger à sa faim. Oui. Et chez nous, on voit pas de honte à se remplir la panse. À mon sens, si ce qu'on nomme le matérialisme est mal vu dans les milieux distingués, ben c'est pas sans raison. Hein? Ben, on s'y complaît à évoquer les jouissances viles, matérielles, tout en les déconseillant aux classes inférieures. Ben, par les conseillers inutiles, puisque celles-ci n'ont pas le peu de fric qu'il faut pour se les payer. Moi, je me suis souvent demandé pourquoi les écrivains de gauche ne composaient pas là pour exciter les gens. Quelques savoureuses descriptions des plaisirs qu'on a quand on a de quoi. Hein? Ben pourquoi pas? Des manuels de haute pitance, quelques traités des douceurs qu'on ne connaît pas au bas de l'échelle. Parce que c'est vrai, c'est triste de penser que tant de gens n'ont jamais vu les pyramides. Mais moi, ça me serre encore bien plus le cœur de penser qu'ils n'ont jamais vu non plus de Pedro rôti sur canapé. Monsieur Ziffel, oui. À quoi bon l'appétit? Nous avons la faim. C'est vrai. Et ça, c'est la seule chose que vous n'apprenez pas dans les livres. Bon, encore que à lire les écrivains de gauche, il faut croire que même le sentiment d'avoir faim, il faut aller le chercher dans les livres. Ah ben, les Allemands ne sont guère doués pour le matérialisme. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Bon, moi, je faisais partie des libres penseurs. À nos convictions, nous ne laissez pas un moment de répit. Les loisirs que laissait la lutte pour l'école laïque, nous l'employons à démasquer l'armée du salut. Et nous prenions sur nos heures de repas pour militer en faveur de l'incinération. Je les ai quittés parce que mon ami m'a mis le marché en main, ou être libre penseur, ou sortir avec elle le dimanche. Alors je me suis longtemps senti coupable de ne plus rien faire contre la religion. Je suis heureux que vous les ayez quittés. J'ai adhéré à autre chose. Et vous avez gardé votre ami? Non. Je l'ai perdu. Mais quand j'ai adhéré, elle m'a remis devant le même choix. La religion, c'est comme l'alcool. Vous n'empêcherez pas les gens de boire tant que c'est pour eux un progrès. Vous êtes content de votre chambre? Alors, voilà une question que je ne me suis pas encore posée. Hein? Non, non, non.
Moi, je ne me pose jamais de questions. Si la réponse la plus scrupuleuse ne m'avance à rien. Le cul dans l'eau, je ne me demande pas si le chauffage central vaut mieux qu'un poêle. Et puis dans cette chambre, j'ai l'intention d'écrire mes mémoires. Ouais, je croyais qu'on écrivait ses mémoires qu'à la fin de sa vie. Ouais. Quand on domine bien son sujet et qu'on a l'art des nuances. Oh, je ne domine rien du tout. Et ne crois pas avoir l'art des nuances. Mais la première condition, j'y satisfais comme tout le monde sur ce continent. Il est vraisemblable que mon existence touche à sa fin. C'est pas l'endroit rêvé ici pour écrire ses mémoires. J'ai besoin pour ça de cigares. Et on en trouve difficilement à cause du blocus. Et puis il y a une autre question qui me tracasse. Il semblerait normal qu'un homme important se propose de raconter sa vie à ses contemporains. De leur dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Or moi, je propose de le faire, mais je suis un homme sans importance. Mais ainsi, vous pouvez espérer un succès de surprise. Ah oui, quand le lecteur découvre que vous n'êtes pas quelqu'un d'important, il est déjà trop tard. Vous lui avez fait assimiler une bonne part de vos idées. Messieurs, 3, 4. Qu'un homme important a le droit d'écrire un gros volume. Bon, je tiens à vous préciser que je suis certes quelqu'un d'insignifiant, mais pas n'importe quel. Excusez-moi. Si vous n'y voyez pas d'objection, je vous prierai, de temps à autre, d'écouter un chapitre de mes mémoires. Je n'ai rien contre. La vie des grands esprits qui ne vivent que de livrer d'eau fraîche dans une hutte infestée de souris. Laissez-moi donc tranquille avec vos prêches, même qui veut cette vie monotone. J'aimerais mieux encore être d'amis tous les oiseaux d'ici à Babylone. Tiendrait pas une seule journée. La liberté. C'est de la foutaise.
faire. C'est de la foutaise. Il n'est très hors que tout vivra ce maître. Pour moi, messieurs, je me représentais solitaire et puissant dans mon orgueil. Mais quand j'ai découvert ce que c'était, ben je me suis dit là, mon vieux, faisant mon deuil. Pauvre, on a voulu dans lui que de sagesse. Viens, viens, loin de toi, je ne l'aveugle. Tu as été pauvre et plein de hardiesse. Rends-moi le nom tes idées de grandeur. Ces gens-là, c'est style brimé. Chaque fois qu'on les empêche de pourrir doucement sur pied. Moi, au contraire, j'estime qu'on me brime quand on m'empêche de me développer. Mieux encore. De développer ma personnalité et quelque chose d'autre. La théorie atomique, par exemple. Ouais, maîtriser la physique des fluides, c'est autre chose que d'avoir la maîtrise des airs. Avec vous, les grands hommes n'ont pas la partie facile. Alors là, je ne vois aucune raison de leur faciliter particulièrement. Et quand on a les moyens de se retourner, on est évidemment mieux à même de leur donner du fil à retordre pour ceux qui n'ont rien. C'est plus difficile. Ouais, toute leur action est d'ailleurs axée sur ces gens. Sans ressources. Mais autrement dit... Le peuple. Romain, il y a eu bien. Les mouvements fascistes se qualifient partout de mouvements populaires. Envers les riches, ils adoptent souvent un ton très dur. Enfin, surtout quand ces derniers rechignent à alimenter les caisses du parti. Ils méconnaissent leurs propres intérêts. Et encore que, à mon sens, ce soit les petites cotisations qui comptent. Comment s'appelle-t-il donc au juste? Est tenu lui-même de pleurer comme un veau en public pour protester de sa bonne foi. Il y a quelques années, il s'est targué dans un discours de ne posséder ni château, ni compte en banque. Sa harangue a été fraîchement accueillie. Bon, certains furent très affectés parce qu'ils avaient eux-mêmes récupéré un domaine ou deux. Quant aux autres, ils refusaient qu'on leur fît cadeau des camps de travail, construits pourtant à leur intention. Oui. Alors on s'est creusé la tête pour savoir de quoi il vivait. On a fini par découvrir qu'il n'avait pas besoin de grand-chose. À court, qu'il avait une carte permanente pour l'opéra. Bon, finalement, pour couper court au ragot, il lui a fallu décider quel métier prendre. Eh bien, il a choisi celui d'écrivain. Et en qualité de chancelier du Reich, primo, il a défendu qu'on lui verse un sou au titre de chancelier. Tout le plaisir était pour lui. Mais Segundo, il a ordonné qu'en tant qu'écrivain, on lui achète son livre, Mein Kampf, Mon combat. Comme ça, son combat s'est soldé par un succès complet. Avec les droits d'auteur, il s'est payé la Reichswehr et le palais de la chancellerie du Reich. Ouais, il a vécu, ma foi, fort décemment. Notez tout le mal qu'il se donne pour bien montrer que massacrer des millions de gens, à servir des peuples entiers et mutiler leur âme, bien tout ça, ils s'en chargent pour rien. Ah oui, sans rien mettre dans leur poche.
Il leur faut prouver qu'ils ne s'intéressent pas aux détails. Ils planent dans une sphère de vastes pensées. Et tout ce bas monde leur est étranger quand ils ont une guerre en tête. Moi, je rêvais d'être un héros et voulais m'en aller faire le mini-flow, connaître la foule et la flore, faire une arche de mon bateau. Je rêvais d'être un conquérant et je voulais partir comme Don Quichotte, tant sur terre que sur la flotte, par les mers et les continents. Si je voyais une guenille, j'en voulais faire un étendard. Je l'ai compris beaucoup trop tard, je regardais tout ce qui nuit. Tragique, il n'aurait jamais réuni l'argent nécessaire. Non, alors moi, c'est pas du tout ce que j'appelle une grande idée. Non. La guerre totale. Voilà une grande idée. Ouais. Ben, avez-vous lu comment ces derniers jours en France, la population civile a troublé le cours de la guerre totale, hein? Elle a flanqué par terre tous les plans des états-majors, à ce qui paraît. Les flots de réfugiés ont envahi les routes et bloqué les mouvements de troupes. Et là, les gens affamés ont bouffé le stock de ravitaillement des troupes. C'est bien simple, la population civile s'est révélée un véritable fléau de difficulté. Pour les militaires, la population, c'est devenu un problème sérieux. Mais... pour les militaires allemands? Non, la population française constitue un problème pour les militaires français.
C'est du sabotage. À quoi bon les calculs les plus sérieux des états-majors si à chaque fois le peuple s'en mêle et fait régner l'insécurité sur le théâtre des opérations? Est-il la faute? Là, il aurait fallu, hein, en temps et en heure, s'occuper d'évacuer tout notre continent. Si. Seul l'éloignement total des peuples peut permettre une conduite rationnelle des opérations de guerre et l'utilisation intégrale des armes nouvelles. Et il faudrait une évacuation permanente. Si, parce que les guerres modernes éclatent comme la foudre. Une évacuation permanente à l'échelle de la planète. Oui. Pour ça, il faut de l'organisation. L'alternative est bien simple. Bien, vous faites disparaître la population. Bien, la guerre est impossible. Un jour ou l'autre. Et plus tôt qu'on ne croit, il faudra se décider. Voulez-vous dire ouais. Que
Et à votre avis, vous n'étiez pas assez cultivé pour rester dans ce pays? En effet. J'étais loin d'être assez cultivé pour continuer à mener une existence d'homme au milieu de toutes ces tordures. Ah, j'ai connu un type qui était chimiste et qui fabriquait des gaz asphyxiants. Ah, oh, personnellement, il était pacifiste. Ah, il faisait des conférences contre la guerre devant les jeunesses pacifistes. Dans ses exposés, il était très virulent. Il fallait sans cesse l'exhorter à modérer ses expressions. Eh ben, pourquoi le laissiez-vous parler? Parce qu'il avait raison d'affirmer qu'il n'avait rien à voir avec ce qu'il fabriquait. Pas plus que n'importe quel ouvrier d'une fabrique de bicyclettes avec les bicyclettes. On savait très bien qu'à partir du moment où on avait du travail, c'était pour la guerre qu'on travaillait. Ouais. J'ai entendu des gens dire que le commerce et l'économie sont humains, et que seule la guerre est inhumaine, mais primo, le commerce et l'économie ne sont pas humains, et ces gundos, chez nous, ils aboutissent à la guerre. Et après ça, les gens voudraient une guerre humaine? Eh ben d'accord pour la guerre, mais pas contre les civils. Avec des canons, mais pas avec des gaz asphyxiants, enfin. La barbarie engendre bien la barbarie, puisqu'elle naît de l'économie. Excusez-moi, je me suis laissé aller à parler politique. Je ne veux pas. La culture n'a absolument rien à voir avec l'économie. Malheureusement. Moi, j'ai suivi les cours à l'université populaire. Ah bon? J'hésitais, étudier Walter von der Vogelwelt, la flore à l'âge de pierre. Non, sur le plan pratique, c'était dit pareil au même. Ni l'un ni l'autre n'aurait pu me servir à quoi que ce soit. Qu'à vous. Oui. Quand vous avez étudié la physique, oui, vous l'avez fait en louchant sur les revenus éventuels. Et vous n'avez acquis que le bagage que vous pouviez vendre. Pour nous, c'était une question de culture pure. Il s'agissait de savoir dans quelle direction nous allions nous cultiver. Ah, quelle direction avez-vous choisi? J'ai pris Walter von der Vogelwelt. Au début, ça s'est bien passé. Mais ensuite, je me suis trouvé en chômage. Le soir, j'étais trop fatigué. Ouais, j'ai tout remis au clou. Peut-être n'avais-je pas le tempérament suffisant pour vaincre toutes les difficultés. Oh, le fils de ma logeuse, lui, a appris par cœur, hein, en y mettant le temps, toute la nomenclature du règne végétal. Il avait une volonté de faire, pas une sortie le soir. La culture, rien d'autre. Et même qu'il s'est fait du tort, car il est obligé de porter des lunettes, ce qui le gênait pour son travail à l'usine. Bon, il est vrai que ça n'a pas eu d'importance, puisqu'il s'est trouvé en chômage. Et voilà. Ouais. Ben, je vous le fais pas dire. Vouloir se cultiver ou non, dépend de vous. Et de vous seul. Oui. Bon. Le monde végétal est d'une ampleur colossale. Vouloir le maîtriser à fond exige une patience inhumaine. Surtout quand on est ouvrier mécanicien et qu'on a autre chose à faire. Et vous avez tort de vous demander si le savoir est de quelque profit. Car quiconque n'aspire pas à la science pour la science ferait mieux de ne pas s'en mêler. Il n'est pas un esprit scientifique. Quand j'ai décidé de suivre les cours, je ne me suis pas posé la question. Bah, preuve que vous aviez toutes les qualités requises. Hein? Et que la science, quant à elle, n'a rien à vous reprocher. Voilà, les pirons marchent dans la même. Ah, tu veux le... Eh, franchement. Oui. D'accord? C'est dommage, non, qu'il ait lâché pied, là. Non, mais je me demande quel sens ça pouvait avoir à la longue. Ouais. À quoi bon contempler les tableaux de Rubens pour former mon sens esthétique, ouais, quand toutes les filles que je peux rencontrer ont cet intérêt que donne le travail d'usine? Le fils de ma logeuse étudie les espèces végétales et sa mère n'a pas de quoi s'acheter une laitue. Oh,
Habillés par les ouvriers du textile. Ah oui, regardez Romain.
nourris par les ouvriers agricoles, logés par les maçons et les métallos. Tout ça pour une rétribution minable, comme chacun sait. Non, un désintéressement pareil, on ne le voit nulle part. Même pas dans le sermon sur la montagne. Qui vous dit qu'ils sont bons? Oui, pour l'être, il leur manque une qualité essentielle. Il faudrait qu'ils acceptent de bon gré leur rétribution minable et qu'ils se félicitent que nous ayons la bonne vie. Or ça, ils en sont loin quand même. Bon, faites pas l'imbécile. Je vais vous poser une question. Ouais. Iriez-vous leur conseiller, moi votre âme et conscience, de se féliciter de leur minable salaire? Non. Donc vous voulez pas qu'ils soient bons? Ou alors uniquement en dehors de leur travail, les fins de semaine, par exemple envers un chat en difficulté dans un arbre, de façon que ça ne tire pas à conséquence. Moi, je ne conseille à personne de se comporter en être humain, sinon avec la plus extrême prudence. Par les temps qui courent, le risque est trop considérable. En Allemagne, après la Première Guerre mondiale, est sorti un livre au titre sensationnel, l'homme est bon. Ah oui, moi je me suis tout de suite senti mal. Et je n'ai retrouvé à mes esprits que quand j'ai lu cette critique. L'homme est bon, mais le veau est meilleur. Et par ailleurs, je suis tombé sur un poème d'un auteur dramatique avec lequel j'étais au lycée, qui ne dépeint pas du tout la bonté comme de l'héroïsme. Voici ce poème. Ah ben je vais vous écrire. Pourquoi? Romain. Ouais! Au mur de mon bureau, un masque japonais, sculpté sur bois, et laqué d'or. Effigie d'un méchant démon. Je regarde plus, plein de pitié, les veines gonflées de son front. Elle révèle. Allemande dont on parle soit vrai. Oui. Vous ne pensez pas que c'est de la propagande? De la part des alliés? Ou des nazis? Je crois franchement que dans l'armée allemande règne une grande cruauté.
Ben, si vous voulez piller au primé et vous faut taper en avoir mal au bras, c'est pas avec des fleurs et des salamalecs que vous amènerez quelqu'un à vous aider ce qu'il possède. Il marchera pas, même si vos paroles sont du nez et du miel. Enfin, on dit Hitler domine l'Allemagne, et on croit que cela signifie c'est lui le maître, mais beaucoup sont pas de cet avis. Simplement parce qu'il est le maître, les autres peuvent pas toujours, en fait, jamais faire valoir leur opinion. Or, c'est pas ça du tout. Bon, ces gens-là existent, bien sûr. Et ce qui compte, c'est que très vite, Hitler n'est plus tout seul. Ce sont ces idées qui dominent. Voilà. Hein? Ouais. Tout ça, c'est la faute du capitalisme. Voilà une banalité, là! Malheureusement, non! Comme disait un orateur à un banquet de croque-mort, la bourgeoisie n'a rien à perdre de son argent. Messieurs, au lieu de prêcher l'abstinence, l'amour du bien et l'horreur du péché, feriez mieux de nous remplir la panse, mais après vous aurez le temps de prêcher. Vous aimez vos bonbons et votre honnêteté. On ne saurait assez le répéter, et vous pouvez le retourner dans tous les sens. D'abord la bouffe, et ensuite la morale. Commencez par donner à tous les pauvres gens votre gâteau pour calmer leur fringale. Mais de quoi l'homme vit-il? Pourquoi t'es tout rouge, Romain, comme ça, là? Non, mais, y a aucun suffix, là. Cela dit, la question est pertinente, hein? Oui. 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 De quoi l'homme vit-il? Il vit de l'homme, en le voilant, pillant, torturant et massacrant. L'homme est un loup pour l'homme, mais il oublie souvent qu'en fin de compte, il n'est qu'un homme. Messieurs, mais il oublie souvent qu'en fin de compte,
Dont on y jouit. Hein? Bon, à condition d'être touriste. J'y suis allé. Je m'y suis jamais senti très libre. Eh ben, sans doute ne logez-vous pas à l'hôtel. Ah là, oui, c'est indispensable. Parce que du moment que vous logez à l'hôtel, vous pouvez aller où bon vous semble. Ah oui, parce que nulle part ailleurs, paraît-il, on ne se sent aussi libre qu'au sommet d'une... d'une montagne, bien. Ça, c'est vrai. Ah, je me suis laissé dire que les Suisses eux-mêmes n'y montaient jamais, à moins d'être guides. Et alors, ils ne sont pas tout à fait libres, il leur faut trimballer des touristes. Alors ça, c'est sans doute que les guides de montagne n'ont pas la même soif de liberté que les autres Suisses. Cette soif de liberté chez les Suisses. Résulte de la situation défavorable de leur pays. Ah oui, quitte en toi de puissance, ils sont constamment portés sur la conquête. Alors les Suisses sont toujours obligés d'être sur le qui-vive. Ben, on n'a jamais entendu parler, hein, par exemple, hein, de la soif de liberté des Esquimaux. Hein. Ben ça, c'est sans doute que leur pays est géographiquement mieux situé. Et vous voulez mon opinion? Mais si, bien sûr que si, bon Dieu, si. Un pays où on constate une grande soif de liberté, eh ben, mieux vend des garçons. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et quand on parle tant de liberté, c'est louche. C'est exact, au fond, c'est comme partout. La seule chose interdite, c'est de manifester ses convictions. En Suisse, si vous risquez un mot contre le fascisme, vous pourrez perdre sur le champ. Vous n'avez pas le droit d'exprimer cette conviction. C'est l'accent suisse. Parce que l'on est en péril de liberté. Les Allemands nous envoient mal ou bien. Non, bon, essayez donc de dire que vous êtes pour le communisme. Alors, vous êtes une très bonne radio, vous n'avez pas le droit de dire ça, parce que le communisme, c'est le monde des libertés. La parole, c'est un régime communiste, le capitalisme. Ils sont pas libres. Oh, j'en ai une autre, au restaurant. Hey, Toff! Au restaurant! Du costume! Au restaurant! Monsieur m'a dit. Essayez de vous garder un peu. C'est la France suisse! Essayez de vous garder un peu aussi. De prendre moins l'initiative.
et de monter les fusils. Toi, ne peux pas acheter des baisses et les minières, je sais pas. Quand tu dis là, toi, l'empire du chef, tu sais, ça y est. Et moi, je viendrai des bavards dans ta tente, car la vie n'aurait pas monté les îles. Non, ici. Devant un livre, il n'avait plus le droit d'avoir un opinion. Les Allemands et d'autres d'entre eux ont découvert que même ça, ça fait dangereux. Ils sont allés jusqu'à s'agisser sur des tables de caca. La soif de liberté des petits bourgeois, ils l'ont coupé à la source. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est pas encore tout à fait réussi. Merde. Alors. C'est vrai que leur camp de concentration. Voilà une réalisation modèle. Ah. Ouh. Seulement en Rome, ne s'est pas bâti en un jour. Et des tas de gens se permettent encore des tas de liberté. Ouais. C'est pas faux. Bah, ils sont loin d'avoir encadré tout le monde. Ah si, c'est vrai. C'est vrai que les enfants, ils les tiennent. Hein. À partir de l'âge de 6 ans, avec les jeunesses de Ayaya. Et puis avec le service militaire et le parti, tiens, ils tiennent les hommes et les adolescents. Mais les vieux. A-t-on déjà vu des sections de vieux de, comment s'appelle-t-il donc au juste? Non. Et ça, c'est une lacune grave. Ah oui, voilà qui pourrait bien se révéler très dangereux. Hein. Mais même les enfants, je suis pas convaincu qu'on ait déjà tout fait pour eux. Bon, les plus grands ont toute facilité de moucharder leurs parents, et les plus petits de ramasser de la ferraille pour l'État. Mais peut-être faudrait-il commencer plus tôt. Ouais, dès le sein maternel. Il y aurait un champ d'activité pour la science. Faudrait inventer des exercices pour future maman, qui est une influence sur le fœtus. Ouais, le ministère de la propagande doit s'attaquer au fœtus. Il n'y a pas un instant à perdre. Je devais 500 000 francs à mon cousin Crésus. Comme je n'ai pas d'argent, je m'inquiétais tant et plus. Hier soir, il vient chez moi, il me dit, cher cousin, voilà 105 pour toi, et tu ne me dois plus rien. Moi, j'ai regardé un petit peu sur mon texte quand même, parce que c'est quelqu'un qui est très près de son argent. Alors, enfin, si tu leur expliques pas, ils peuvent pas comprendre. Ah! Ah oui, c'est ça, ça sent même que quand je l'ouvre. Ah oui, c'est ça, il a raison. Thank you.
croisés hier matin pour la soupe de nourriture. Trois agents qui à l'enfer arrivent brigadier. Tu me dis, c'est rien mon cher, vous pouvez dire d'un phénomène comme le patriotisme. Non, hein? Moi, moi, j'aime pas ce qui m'a coûté de la sueur. Et ni forcément ce pourquoi j'ai répandu mon sperme. Alors une fois, j'ai eu affaire avec une jeune personne avec qui je suis allé me promener au lac de Venzy. Elle était bien belle, là. Elle portait des tas de jolies choses. Mais elle a commencé par déjeuner. Puis elle a voulu faire un tour en parc. Et puis il a fallu un café, là. À la fin, j'aurais planté là dans les buissons s'il lui avait fallu 30 secondes de plus pour retirer sa culotte. Ouais. Je le répète. C'était une fille vraiment bien roulée. Alors là, vous parlez de jolies choses. Moi, quand je songe au pays où je voudrais vivre, j'en vois un. J'en vois un.
Ça marche, Jean voisin. Ou rien que de murmurer comme ça. Tout doucement, hein, sans y penser du tout. Oh, comme il est joli, ce coin. Eh ben, là, on se verrait ériger un monument pour fête patriotisme. Ouais. Vous êtes dégoûté de votre pays à cause des patriotes qui ont mis la main dessus. Je me dis parfois, quel beau pays nous aurions si nous l'avions. Oh ! Je me souviens d'un poème qui aurait eu vers quelque avantage. Ah ! Allez, allez, allez ! Montez sur eux, allez-y. Et toi, tu restes là aussi, toi. Parce que vous commencez à me faire chier, les intermittents. Hein. Allez-y. Bois de ma pierre, bois accueillant. Dont je me souviens plus, hein. Super. Quelque chose qui va avec, et le poème continue. Quelques lignes, et puis. Et toi aussi, Berlin, ville multipliée, vivante dans la rue et sous terre vivante, et vous parlez de la Hanse, ville bruyante de la Saxe, cité de Silésie qui regardait vers l'est, toujours couverte de fumée. Ce pays, ça en vaudrait la peine. La démocratie à deux, c'est très difficile. Il faudrait décider de voter au poids pour que je puisse avoir la majorité. Ça se défend. Comme mes fesses se travaillent avec moi, que je les amène à voter avec moi. En gros, vous avez l'air démocratique. Je crois que ça vient de votre embonpoint, qui à lui seul donne l'idée de quelqu'un d'accommodant. Hey, démocratique rime avec... Tiens. Avec sympathique. Sympathique. Oui, sympathique. Chez un monsieur, évidemment. Hein. Chez un crève la faim, c'est plutôt de l'impudence. Je ne crois pas que l'adjectif démocratique puisse désigner une qualité. Et pourquoi non? Parce que c'est... Je veux bien dire, par exemple, que même les chiens, après avoir bien mangé, ont l'air plus démocratiques que s'ils n'ont rien dans le ventre. Les apparences ont forcément quelque importance. Je pense même que c'est essentiel. Hein? Tiens, prenez la Finlande, elle a l'air démocratique. Si vous enlevez la façade en disant que vous en fichez pas mal, que reste-t-il? Sûrement pas une démocratie. Je crois que on ferait mieux d'aller dans votre self-service. Le mot peuple est un terme très particulier. Il n'a pas du tout le même sens au dedans et au dehors.
Au dehors, vis-à-vis des autres peuples, les gros industriels, les hauts bureaux, les hauts fonctionnaires, les généraux, les évêques, etc., font naturellement partie du peuple allemand, et pas d'un autre, mais à l'intérieur. Là où il y a du pouvoir, vous entendrez toujours ces messieurs parler du peuple en disant la masse ou les petites gens, et bien le peuple devrait lui aussi parler le même langage et dire que ces messieurs ne font pas partie du peuple. Tout ça serait bel et bon si ça ne signifiait pas le communisme. Vous me concéderez que le communisme sera dû à néant, la liberté d'un individu. Mais vous sentez-vous particulièrement libre? Non, pas particulièrement, là, parce que vous me posez la question comme ça. Nul n'est absolument libre. S'il détient le pouvoir, le peuple pas davantage. Non mais qu'est-ce que vous croyez? Les capitalistes non plus sont pas absolument libres. Ouais, ils sont pas libres d'installer un communiste à la présidence de la République. Ou encore de fabriquer autant de vêtements qu'il en faut. Tout au plus peuvent-ils en fabriquer autant qu'ils peuvent en vendre. Laissez-moi vous dire une chose. Le pouvoir. Le peuple ne le prend que dans des cas d'extrême nécessité. Quand l'eau lui arrive au ras du cou. Les gens ont peur du chaos. Par peur du chaos, ils finiront par s'en trouver tapis dans des caves, sous des maisons bombardées, avec dans le dos des SS revolvers au poing, mais n'auront plus rien dans le ventre. Ils ne pourront même pas aller ensevelir leurs enfants. L'ordre régnera. Et nous n'aurons presque pas besoin de penser. Ces mains bonnes à tout, même à tenir des armes, dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien, ces rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes, où tu veux aborder les poux. Les mains de l'oppression. Regarde la gémir sur la gueule des gens avec les yeux fardés de rêves et de rêves. Regarde la se taire aux gorges du printemps avec les mains trahies. Ses yeux qui te regardent
vers lesquels tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de nos précieux. Idée de race chez les petits bourgeois, c'est la volonté d'acquérir quartier de noblesse. D'un seul coup, ils se donnent des ancêtres. Ils ont un passé à contempler. Ils peuvent regarder les champs de haut. Nous commençons par réintégrer dans le Reich tous les Allemands. Ensuite, nous intégrerons aussi les Polonais, les Danois et les Hollandais. Et ce faisant, nous les protégeons. Des seigneurs en nombre suffisant. Une fois au camp de concentration, notre commandant nous a fait galoper dans la cour entre les baraquements pendant 3 heures. Après quoi, il nous a fait faire 200 flexions sur les genoux. Puis, nous nous sommes alignés sur 2 rangs. Et il nous a tenu un petit discours. Nous autres Allemands sommes un peuple de seigneurs, hurlait-il de sa voix de fossé. Bande de porcs. Je vous en ferai baver jusqu'à ce que j'ai fait de vous des représentants de la race des seigneurs qu'on puisse montrer au monde sans rougir. Comment voulez-vous dominer le monde en restant les chiffres molles et les pacifistes que vous êtes? Ici, on va vous laminer les couilles jusqu'à ce que vous soyez fourré ça dans le crâne et que vous m'en merciez à genoux de vous avoir donné sur l'ordre du Führer un tempérament de seigneur. Et comment vous avez réagi à cette sommation immorale? J'ai pas vraiment marché. D'un autre côté, j'osais pas trop faire voir que je n'aspirais pas à la domination mondiale. Pour arriver à leur fin, ils ne peuvent procéder qu'avec une rigueur sans scrupule. Parce que oui, d'ordinaire, vous pouvez faire exploser sous les bombes la plus grande ville du monde par de petits employés qui ne peuvent rentrer sans palpitation dans le bureau de leur sous-chef. En peu de temps, ils ont réussi à se faire peur les uns les autres à un point inimaginable. L'Allemand a une histoire malheureuse. Du coup, s'est développé chez lui un penchant à l'obéissance, qu'on trouve nulle part ailleurs. La première chose qu'il ait fallu lui apprendre, c'est la différence entre un Allemand et un non-Allemand. Pour ça, on s'est servi des notions de sang et de sol. Moi, j'ai toujours été opposé au lien du sang, comme à tout autre lien d'ailleurs. J'aime bien avoir les mains libres. Ben, c'est vrai, on choisit pas son père. C'est pour ça qu'il peut détacher sa ceinture et vous flanquer une raclée. Hein. Si on pouvait choisir son père, il ferait pas tant de bruit à table en mangeant. Non ? Si vous brisez tous les liens, même les plus sacrés, naturellement, on va vous regarder de travers. Et est-ce moi qui les brise ? La famille, ce sont les capitalistes qui l'ont détruite. Et les liens qui m'unissaient à mon pays, c'est cet Adolf Hitler qui les a rompus. Non, je ne suis pas plus égoïste qu'un autre, mais je ne me laisserai pas entraîner de force à dominer le monde. Là-dessus, je ne céderai pas. Je ne possède pas l'esprit de sacrifice illimité qu'il faut pour ça. Il n'est pas rare d'entendre dire que le fascisme suzeraine à condition qu'il demeure passif. Non, mais c'est là une idée qui n'est pas particulièrement intelligente. Ah. Ouais, alors ça, c'est comme si on disait pour les porcs
qu'il serait supportable d'être mis à l'engrais à condition de ne pas être saigné par la suite. On a dit que... Comment s'appelle-t-il donc, Juif ? Avait résolu le problème du chômage. En obligeant les ouvriers à fabriquer des tanks, des bombardiers et des munitions. Il n'y avait qu'un seul inconvénient. Ça pouvait mener à la guerre. Il est tout aussi stupide de déclarer « le capitalisme passe encore, mais le fascisme a annoncé trop ». Si le capitalisme avait pu marcher sans le fascisme, il n'y aurait pas eu de fascisme. Et imaginer un capitalisme pacifique, c'est divaguer. Voilà comment nous, on conçoit la chose. La situation est tout à fait normale. La paix règne. Et puis d'un coup, se produit une rupture. Un petit incident regrettable. La guerre. Mais tout à fait comme pour l'engraissage des porcs. On vous cave ! On vous pichonne et on vous prend en photo. Mais de temps à autre se produit un incident regrettable. On vous saigne. Mais le malheur quand la liberté d'opinion existe, c'est qu'on ne dit jamais comment se faire une opinion. Faudrait déjà commencer par me donner la possibilité de me faire une opinion. Or, si les gens qui possèdent les imprimeries, les moyens d'information, les journalistes et le papier sont contre, ça me sert à quoi d'avoir le droit de dire ce que je pense ? Une folie.
Merci Anna Serra, à toute l'équipe de l'espace Picasso de nous accueillir. Encore demain, à 20h30, vous revenez avec 200 personnes. Juste aussi pour vous dire que ce soir, c'est notre 150e de ce spectacle. Et qu'une fois n'est pas coutume, je vous remercie les gars pour ça. Merci voilà, à tous. Merci. Vous pouvez les applaudir. Pour cette occasion, Adrien Noble au violoncelle avec nous et Pierrot Margent à la guitare.